salut à tous, c'est Skyros, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui les amis pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops Cold War. Et aujourd'hui on va tester le nouveau fusil à pompe, la nouvelle arme de la saison 6, la dernière saison de Cold War, le .410 Ironhide, qui fait penser un peu à... enfin c'est une arme à levier quoi, tu vois, il te le dit d'ailleurs je crois dans la description. .410 Ironhide, fusil à pompe à levier, inflige des dégâts importants en combat rapproché et bénéficie d'une cadence de tir améliorée, permet de tuer en deux coups et en un coup à longue portée lorsque vous regardez dans le viseur. Du coup, on va tester ça sur la deuxième nouvelle map, confrontation sur Gluboko. Confrontation, c'est une petite map, on en sera en 3 contre 3, et on va tester un petit peu ce fusil à pompe, voir ce que ça donne. Bon allez, c'est parti sur Gluboko Domination, qui fait penser un petit peu à ce qu'on avait dans le souterrain, vous vous souvenez, quand on était sur la saison de Warzone, je sais plus quand, ouais c'est vraiment ça, tu vois. Quand t'étais sur Warzone, il y a un moment, il y avait un trou dans le sol de l'aéroport, et ça fait penser un petit peu à ça. Donc le fusil à pompe, .410 Ironhide, fusil à levier, enfin fusil à pompe à levier. Oh, le bruit est pas mal. Mes alliés pas réveillés. Ok, petite inspection d'armes, super, sympa, let's go, on y va. Attends, bon. Quoi? Ah mais le gars était déjà là en fait. Ouais. Bon bah écoute, ça c'est déjà le premier kill, ça c'est fait. Deuxième kill, fait. Ça m'a l'air pas mal. On sécurise B. Ouhouhou ! Ah là 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 ! Attends, on va prendre C quand même. Ah oui, ah oui, ah bah là, oui, 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 là ça a l'air pas mal. Ah merde, y'avait un gars derrière moi. Ah non, non, mais attends, y'a déjà... tu sentais que... Ah merde. Et là, j'ai pas d'accessoire, tu vois, mais tu sens qu'il y a un truc. Ah, elle fait mal, hein. Je sais pas ce qu'elle donnera en Warzone, mais... en tout cas, là, elle fait mal, hein. Ah. 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 Aïe, 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 aïe. Je sens que je manque un petit peu de dextérité néanmoins. Mais il y a un truc à faire. On perd bravo. Attends, on va prendre A quand même. Objectif player, hein. Objectif player. Mais tu... Oh mais elle est incroyable cette map, il y a des lines de ouf hein, sur les respawns. On a perdu bravo. Oh bah... Surprise. Ouf. En vrai c'est ça, c'est un fusil à pompe mais ça fait un peu genre le KSG qu'on avait sur Black Ops 2 avec cette balle, quand tu vises tu peux mettre une bonne grosse balle qui one shot. Je sais pas à quelle distance on peut one shot mais j'ai comme le sentiment que bah, c'est comme si t'avais... Oh là mais même au jugé quoi. Comme si t'avais juste, c'est genre une balle, c'est genre la balle slug, ouais c'est ça ouais. T'as juste une balle dedans. C'est pas à dispersion, tu vois, c'est vraiment genre t'as une balle. Ah. Ok, faut avoir avec un petit viseur ou quoi, mais je pense que y a moyen de moyenner quoi. Mais en tout cas, jusque là c'est quand même kiffant. Ah merde. Alors, des fois tu tapes des hitmarkers quand même assez... Bah tu doutes un peu. La cadence peut être déstabilisante. Là, entre le premier et le deuxième coup, mais je pense que ça peut s'améliorer. Hein. Ah. Bien joué Kirby. Niveau 4. Oh, on va pouvoir mettre des petits accessoires. Le petit headshot. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Non mais... Oh là, mais... Ah le gars. Ah, il dit non mais moi, c'est chez moi quoi. Je veux dire, bon. Hein? Ah, vas-y, casse-toi. À cette distance quand même, t'as l'impression que ça one shot pas plus que ça. Ça peut peut-être le faire mais peut-être vraiment tirer sur le front quoi, tu vois. Putain, ils sont chelous, enfin ils sont chelous, ils sont relous, ils sont chiants. Par contre les respawns et tout, bah, c'est incroyable en fait.
Mais non mais les gars, non mais... Eh c'est quoi ces types là? Non mais... Mais c'est... ça fait aucun sens. Non mais toi, mais non mais... J'ai envie de t'insulter dans toutes les langues. J'ai envie d'apprendre une langue juste pour t'insulter dans cette langue là. Allez, casse-toi de là toi. Toi, casse-toi de là aussi toi. Oh. Non mais ils sont en train de me chauffer les gars. C'est, ça peut être vite amusant comme vite énervant en vrai. Non mais what? Oh non mais il y a des fois tu comprends pas. Je veux dire tu vas arriver à faire des one shot et des fois voilà. Des fois c'est la, ça pue la défaite là. Bon attends mais ils m'ont énervé. Et je suis pas du genre à insulter vraiment. Mais j'avais quand même envie de leur dire des saloperies hein. Qu'est-ce que c'est? Non mais les gars ils font un cassant en face. C'est pas des vrais gars. C'est pas des vrais gars. Ça me dépite hein. Attends on va essayer de voir s'il y a moyen d'avoir une petite personnalisation accessoriale. Va y avoir. Fusil à pompe, qu'est-ce qu'on a? On a une petite lunette. Ah le microflex je pense que ça peut être mieux. Là, je, tu vois avec un pompe comme ça j'aurais bien vu limite un petit x3. Tu vois je pense que ça aurait pas été du luxe. Dispersion du plomb élargi. Ah. Ça peut être interesting. Apporte des dégâts. Précision jugée. Ah bah voilà. Ah bah oui. Ah bah oui. Je pense que là, ça va commencer à... On va commencer à causer plutôt sérieusement là. Allez, mets-moi un petit match à mort histoire que je leur pète le cul là. Enfin, que... Oui, bah non, mais bien sûr. Bon, on est reparti sur Gluboco. Hurry hide. Mort par équipe. En tout cas en domination on a vu tout à l'heure qu'au niveau des spawns je pense que tu as bien, bien échauffé parce que là bon clairement tu vois je suis à froid là j'étais à la limite du claquage mais bien échauffé il y a moyen de moyenner hein. Ouais je pense qu'il y aurait moyen parce que tu vois un bon petit ta 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 tu sentais qu'il y avait moyen de faire un truc c'est assez plaisant en fait la dynamique de la map mais vraiment ça me fait penser tu vois c'est ça comme si on avait sur Warzone à un moment donné là il y avait ce petit bunker plus ou moins dans le délire c'est cool bref ça se trouve Gluboco ça veut dire bunker en russe j'en sais rien et puis je m'en fous un peu tu vas me dire mais pas non remarque ouais, bref allez voyons voir premier arrivé à 50 points allez casse-toi de là un peu toi. Bah voilà. Le petit full team. Le petit full team. Est-ce que ça a tourné le spawn? Ah ouais. Ah mais... Qu'est-ce que t'attendais mon con? La mort? Je sais pas s'il y a un canon qui t'augmente la cadence. Mais en vrai ça serait pas si mal. Aïe 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 parce que tu sens que le... tu vois, c'est... Il manque un chouïa, quoi. Un chouïa plus, ça serait bien. Quoi? Je sais que t'es là. Je savais que t'étais là. Pas question de me laisser faire. Ouais, ouais, ouais. Et c'est là où tu vois que l'arme est puissante, mais là, comme un trou de balle, tu manques ta balle, bah tu l'as dans le... Voilà. Voilà, c'est tout. Parce qu'avec la cadence, ça fait que si jamais tu loupes ta balle, ça peut être très punitif, quoi. Hop. Oh non, bah attends, mais le gars, c'est... Attends, c'est Nostradamus, regarde. Ah, mais... Ouais, mais c'est quoi ces bruits de pas, là? On entend un peu fort, hein. Sauveur, ouais, sauveur. Et qui me sauve, moi? Qui me sauve? Y'a un gars, là, hein. Y'a lui. J'ai l'impression qu'il y a l'autre qui reste dans son camp en mode... j'ai peur, tu vois. Elle est passée, celle-là. Elle est passée. Attends. Je... Ah j'ai cru que j'avais débloqué un truc, je sais pas pourquoi.
Oh mec. Ah mais mec, t'es au courant, tu casses les couilles à tout le monde quand même avec ta fumigène toi. Mais sans exception quoi. Ouais, je sais pas si réellement il y aurait un accessoire qui nous permettrait de one shot à cette distance. Ce qui serait intéressant, chiant pour s'il y a un mec qui le gère, mais intéressant. Ce petit marqueur là, je l'aime pas. Je vais retirer la lunette. Je sais pas, je trouvais qu'elle avait plus de slip. Non mais hey, franchement ce sac à mettre. Parce que en fait y a quand même un gros truc autour qui gêne pas mal. Et je trouve que le style sans le viseur c'est mieux. Ils me font chier, c'est serré hein. Je sais pas où est-ce qu'ils sont là. Oh les salauds, ils sont cachés pour avoir la victoire. Non mais non mais vous puez la merde. Bien joué en tout cas. Bon, de toute façon, ce que je voulais faire, c'était un test des nouvelles armes en multijoueur. Bon, bien évidemment, j'ai pas vraiment d'accessoires, donc on sait très bien qu'une arme avec des accessoires et sans accessoires, des fois, ça peut être vraiment le jour et la nuit. On l'a vu avec la grave qui était grave pas très bien, quoi, sans accessoires, et qui peut être géniale avec les accessoires. Et celle-là, elle est bien. Sans accessoires, franchement, il y a moyen. Et elle est intéressante, surtout que sur le multijoueur, c'est une arme secondaire. Donc tu peux avoir ton arme principale sans arme secondaire. Je trouve que c'est génial à voir dans le Warzone si l'efficacité peut être similaire, si ça peut être bien ou pas. Mais je trouve que c'est intéressant. Contrairement à la grave qui pour moi apportait absolument rien du tout dans le gameplay, celle-ci elle est intéressante. Et du coup bah, je vais continuer à jouer avec dans le multi, monter les accessoires, voir ce que ça donne un petit peu. Et également forcément sur le Warzone. Et voilà, en tout cas c'est tout pour la vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment. Vous savez bien que ça vous plaît, bien évidemment, n'hésitez pas à donner votre avis par rapport à tout ci, tout ça, en dessous de la vidéo par commentaire. Et surtout un petit pouce bleu, un like, c'est la récompense. Abonne-toi si c'est pas déjà fait. Excellente journée, que du bonheur comme une chose. Et je vous dis à la prochaine, allez ciao bye bye.